Alors, j'ai pas de chronomètre, je vais en sortir un. On va faire environ 3 minutes. Christophe qui donnera une présentation tout à l'heure. Et ma thèse est, le sujet de ma thèse est sur le lien qui existe entre les statistiques et le machine learning. Et en fait, pour illustrer ça, je voulais prendre une image qui pourrait parler à tout le monde et considérer en fait deux univers, un univers avec deux planètes. La première planète, en fait, ça pourrait être la planète Terre, qui représenterait en fait le domaine des statistiques. En fait, c'est une planète qu'on connaît tous, qu'on a explorée depuis des siècles, même s'il reste encore beaucoup de choses à découvrir. Et de l'autre côté, on aurait une autre planète qu'on a découvert beaucoup plus récemment, sur laquelle il se passe des choses super intéressantes, très modernes, qui est la planète du machine learning, et il reste à peu près tout à faire. En fait, le but de ma thèse, c'est de faire un peu la navette entre ces deux univers, de montrer qu'il existe une synergie entre le domaine de la statistique et du machine learning, et d'illustrer cette synergie. Cette synergie, en fait, serait tout simplement basée sur les statistiques et sur les mathématiques. Et en fait, on pourrait même dire que bah, le machine learning, c'est ni plus ni moins qu'une simple transformation du monde des statistiques. Et sur ces deux planètes, en fait, on parlerait une langue commune qui est les mathématiques. Donc à ce moment-là, vous devez vous demander de quoi il parle. On est censé parler de sport. Donc en fait, le but de ma thèse, c'est d'appliquer ça dans différents domaines, et notamment dans le domaine du sport. Un des objectifs que j'ai, c'est de faire la prédiction pour les JO de 2024 qui est à Paris pour le handball, pour les équipes de France masculine et féminine. Et pour cette présentation, j'ai pris l'exemple des JO de Tokyo pour le dernier carré du tournoi masculin. Et si on s'intéresse à faire la prédiction de chacun des matchs, et notamment par exemple pour la finale, on peut utiliser des méthodes de machine learning, comme on le connaît, comme on le fait déjà dans beaucoup de sports. Et en fait, quand on y regarde d'un petit peu plus près, pour faire la prédiction en fait de la finale entre la France et le Danemark, modéliser la probabilité qu'une équipe remporte le match ou modéliser le nombre de buts qui est marqué par chacune des équipes, en fait, c'est une fonction qui est relativement complexe de toute une multitude de facteurs. Ces facteurs pourraient être en fait les équipes qui se rencontrent avec les personnes qui les composent, la force de ces équipes individuelles, l'historique des matchs qui ont été joués ou encore la fatigue cumulée des différents joueurs. Sauf qu'en pratique, il y a beaucoup de ces facteurs qu'on ne peut pas mesurer parce qu'ils ne sont pas palpables, ils ne sont pas mesurables. Donc, on est obligé de prendre des mesures alternatives, vu qu'elles ne sont pas disponibles. Et par exemple, pour mesurer la fatigue, on pourrait par exemple utiliser la distance qui est parcourue par un athlète pour essayer de représenter un petit peu son niveau de fatigue. Ou par exemple, pour mesurer la force d'une équipe, on pourrait utiliser des méthodes statistiques. Et c'est là où en fait intervient ma recherche. L'idée, c'est de se baser sur des variables exogènes ou passées et de modéliser des phénomènes qui ne sont pas observables pour modéliser notamment ici par exemple la force d'une équipe. Donc dans notre cas précis, en fait, on pourrait se baser sur les matchs qui ont été joués dans le passé par les différentes équipes, de créer des distributions statistiques et d'en extraire des quantités qu'on pourrait en fait ensuite intégrer dans des modèles de machine learning. Et donc notre modèle augmenté de machine learning avec des variables statistiques nous permettrait de faire la prédiction du match final et notre algorithme serait capable de nous donner l'issue de ce match et de prévoir que en fait, la France gagnerait ce match et serait donc championne olympique. Merci. Oui. Donc, tu peux rester. Je pense qu'on peut prendre une ou deux questions parce qu'on est à l'aise sur le timing. Donc s'il y a des questions, allez-y. Je voulais savoir du coup, c'était quoi les algorithmes de machine learning que tu avais utilisés? Il peut y en avoir plusieurs. Actuellement, je suis en train de m'amuser avec des forêts aléatoires, des random forests, qui est un modèle assez standard. Les modélisations sont encore en cours. J'ai en tête d'utiliser d'autres algorithmes, des méthodes de boosting comme les XGBoost par exemple, voire même des réseaux de neurones pour essayer d'étudier les comportements de ces modèles aussi, par exemple. Okay. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. J'ai vu Marion avant. Bonjour. Ben, comme disait Jérémy tout à l'heure, je suis partie
du projet Médaillabilité. Donc, il y a pas mal de choses en commun avec ça. Et moi, ma question, c'était au niveau de la provenance des données. Où est-ce que vous récupérez C'est une données, très, très bonne question. Une des premières remarques que j'ai vues, parce que je m'intéresse particulièrement sur le handball, la raison est simple, c'est que je suis un ancien handballeur, donc je suis passionné par ce sport. J'ai essayé de récupérer des données et pour certains sports, c'est relativement difficile du moins de les trouver en open source. Ce que je fais, j'utilise des API qui sont publics, qui donnent les résultats passés des matchs qui ont été joués au niveau international, au niveau national. Je récupère ça dans une base de données, j'ai une banque de quelques milliers de matchs au niveau, sur l'ensemble de la planète. Et après, j'essaie de croiser ça, par exemple, pour, quand je parlais des équipes ou de la fatigue, j'essaie de récupérer des informations sur les clubs pour avoir les localisations, par exemple, des terrains. Et j'essaie de récupérer des informations sur les joueurs pour avoir l'âge, le poste, la taille, tout un tas de choses, qui sont aussi disponibles sur, sur des sites dédiés au handball, notamment. Merci. Tu avais une question ? Merci. J'ai une question naïve. Je voulais savoir si comment vous calculez les incertitudes ou les erreurs liées à chaque paramètre et du coup pour le résultat final, comment ça se passe ? Alors au niveau de l'incertitude sur les prédictions de score, c'est une des difficultés aussi du machine learning, c'est que vu que c'est pas enfin, du moins encore, c'est un peu le but aussi de ma recherche, j'essaie de contribuer dans ça, et il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent là-dessus. Mais on n'a pas de modélisation mathématique pure qui nous permet de donner des intervalles de confiance, notamment autour des prédictions. Il y a des méthodologies qui se développent, basées sur des méthodes de bootstrapping, par exemple en statistique, pour essayer de calculer ça. On pourrait aussi imaginer, au lieu de faire la modélisation en termes du nombre de buts, on pourrait faire une modélisation plus binaire en disant est-ce que la France va gagner ou non. Et là, en fait, on pourrait récupérer des formes de probabilité qui nous permettraient de donner potentiellement une forme d'incertitude. Merci. Merci, Florian. Je vous propose de passer à la suite. Merci. Donc bonjour à tous, moi je suis doctorante à l'INSEP, laboratoire CEP et au Paris Saint-Germain. Donc mon sujet de thèse, c'est le profil force vitesse en sprint au profil accélération vitesse in situ par utilisation des GPS dans le football professionnel. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lors d'un sprint de 100 mètres, les athlètes peuvent faire le même résultat, mais pas de la même manière. Par exemple, un athlète peut partir fort au début et se faire rattraper, et inversement. Et donc, pour savoir quel type d'athlète vous êtes, des chercheurs ont étudié et inventé le concept de profil force-vitesse en sprint. C'est une sorte de photographie de vos qualités physiques. Donc, ça permet de savoir si vous avez un profil plutôt orienté force, donc vous partez devant, ou plutôt orienté vitesse, vous rattrapez votre retard. Ce profil force-vitesse, il est très utile dans les sports explosifs, et donc notamment les sports collectifs. Ça permet d'individualiser le travail et l'entraînement de l'athlète pour optimiser ses performances. En pratique, il est assez simple de calculer le profil force-vitesse d'un athlète. On lui demande de faire un sprint de 30 mètres linéaire à effort maximal, et on analyse les données. Seulement, dans la vraie vie,
Pour faire ça, il faut du matériel. On n'a pas forcément à disposition des plateformes de force. Maintenant, il existe des cellules radar ou des applications smartphone, mais ça prend énormément de temps. Et donc, au final, calculer le profil force-vitesse pour tous les athlètes d'une équipe dans Sport Co, de manière récurrente, c'est quasiment mission impossible. C'est pour ça que, dans ma thèse, j'ai eu pour but d'automatiser l'évaluation des profils force-vitesse. Et donc, pour ça, j'ai décidé d'utiliser les GPS. Les GPS, on connaît tous ce système et il est utilisé maintenant dans le football professionnel de manière commune. Et donc, c'est à partir des données GPS que je récolte sur ce fameux sprint que j'ai réussi à construire un algorithme qui permet de calculer automatiquement donc le profil force-vitesse d'un athlète et donc de toute l'équipe. Seulement, il y a encore un problème, c'est que je me suis rendu compte que même avec cet algorithme, j'avais toujours un problème, c'était de faire accepter au coach cette évaluation. Parce que pour lui, ça lui faisait perdre du temps de séance et effort max, ça rimait avec potentiel risque de blessure. Donc, on a eu l'idée d'oublier l'évaluation et de créer un concept qui s'appelle le profil accélération vitesse in situ, qui, à partir de toutes les données récoltées à l'entraînement, va permettre du coup de créer ce profil-là, qui va se rapprocher du profil force-vitesse, puisque l'accélération et la force sont des concepts assez similaires. Et donc, dans l'optique de pourquoi pas un jour, évaluer nos joueurs sans vraiment les tester. Merci. Dans le timing. Est-ce qu'il y a des questions ? On peut dire, oui. Y a-t-il des questions ? Merci pour ta présentation, c'était vraiment intéressant. Quelle technique tu utilises dans pour mettre en place ton algorithme ? Là, j'ai utilisé pas mal d'algorithmes en fait pour tester, et celui qui fonctionne le mieux avec lequel j'ai qui est le plus valide par rapport à la méthode actuelle, c'est les moindres carrés. Donc moi, je travaille sur R, comme vous demandez tout à l'heure, et c'est l'algorithme NLS, en fait, c'est l'itération. Et globalement, j'arrive à avoir une erreur très faible. Voilà. D'accord, donc tu as fait une sorte d'échantillon d'apprentissage et échantillon de test pour vérifier tes... En fait, je suis partie de... Parce que du coup, on peut... La conception du profil force-vitesse existe déjà d'une méthode avec des feuilles Excel, etc. Et donc, en gros, moi, j'ai comparé les résultats de la méthode actuelle avec les résultats avec mon algorithme. Et en gros, j'avais des erreurs très faibles. Et du coup, j'ai considéré que l'algorithme était valide et utilisable. La seule chose qui est très importante, en fait, c'est de vérifier que nos données en entrée, nos données GPS, sont elles-mêmes valides. Parce qu'en fait, si on a des données en entrée qui sont fausses, on aura forcément un modèle faux. Et donc, la fiabilité du GPS, c'est un prérequis obligatoire pour la conception de l'algorithme. Ok, merci. Moi, j'avais une question qui est plus sur les données GPS. Habituellement, il y a une erreur qui est associée à la mesure GPS. Donc, comment elle est prise en compte ? En fait, moi, je repars des données brutes. Donc, vraiment, à partir du signal, c'est moi que je vais reconstruire tous les paramètres. Je ne vais pas utiliser ce qu'on disait, la boîte noire et seulement les paramètres qui sont en sortie. Donc, il y aura forcément une petite erreur initiale, mais on ne pourra pas la corriger. Et en fait, généralement, l'erreur maximale dans ce modèle, c'est au départ. Parce que c'est à ce moment-là où, en fait, comme il y a une forte accélération, on a un petit biais. Et donc, c'est la grosse partie de l'algorithme, c'est de travailler justement sur la justesse au départ du sprint, parce que c'est là où il y a la plus grande variabilité de vitesse. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On peut passer à Corentin.
si je te mets là le... Comment ? Si, en fait, soit je duplique l'écran, soit ouais. Le... Qu'est-ce que tu préfères ? Bon, non, c'est bien comme ça. Je peux passer avec ça, de toute façon. Ah oui, avec droite, ouais. Là, je pense que ça marche. Okay. Alors là, je vois pas très bien ce que je fais. Je passe à côté. Voilà. J'ai mesuré le temps pour taper un timer. Donc bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Corentin Niaud et je vais vous présenter mon stage de fin d'études qui s'intitule Machine Learning pour l'analyse et la classification de situations de jeu au football en vue du peuplement d'environnement virtuel. Donc c'est un stage que j'ai réalisé dans le cadre de ma formation à l'ENSAI et qui a été financé par l'école universitaire de recherche Digisport. Donc ce stage, je l'ai réalisé au laboratoire Mouvement, Sport et Santé de l'ENS Rennes. Ce laboratoire il dispose d'une salle immersive qui permet d'immerger les joueurs de football dans des environnements footballistiques virtuels avec des contextes de jeu particuliers, ce qui permet de réaliser des entraînements spécifiques. Et l'alimentation de cet environnement virtuel en situation contextualisée, il est réalisé à partir d'une base de données donc qui contient des données de match. Et donc les enjeux du stage, c'était premièrement de réussir à extraire et à représenter les phases de jeu des données à disposition, et deuxièmement, réussir à classifier les phases de jeu ainsi construites. Donc pour représenter nos phases de jeu, on a construit un descripteur qui va traduire la pression exercée par un joueur I sur un point M du terrain à un temps T donné. Donc ce descripteur il va dépendre de plusieurs variables, notamment de la distance du joueur au point M, mais également de la vitesse du joueur au temps T et de l'angle entre ce vecteur vitesse et le vecteur JITM. Donc le descripteur il peut se décomposer en deux termes. Un premier terme qui va être... une approximation de l'inverse du temps minimal que mettrait le joueur à atteindre le point M dans des conditions optimales. Et un second terme qui va être un terme d'inertie et qui va traduire la nécessité pour le joueur I de se réorienter compte tenu de sa vitesse initiale. Et on a représenté ensuite nos situations de jeu à un temps T par deux heatmaps de 10 par 10. Donc une pour l'équipe attaquante en rouge et une pour l'équipe en défense en bleu. Avec la valeur d'une case qui va être égale à la valeur maximale du descripteur calculé au centre de la case pour l'ensemble des joueurs d'une équipe. On considère ensuite nos phases de jeu qui sont des séquences de situations de jeu de durée fixe 10 secondes, donc une situation étant représentée par deux heatmaps. Donc c'est ces phases de jeu qu'on cherche à classifier. Donc ce sont des données spatio-temporelles et on a décidé de faire une classification en deux étapes. Avec une première étape qui est une classification spatiale de nos situations de jeu qui va utiliser un algorithme K-means basé sur le transport optimal. Et une seconde étape qui va être une classification temporelle de nos séquences d'états obtenues à l'étape précédente, qui va elle utiliser un algorithme de clustering ascendant hiérarchique basé sur l'optimal matching. Donc les résultats qu'on obtient, c'est qu'on résume l'ensemble de nos situations de jeu en 13 états, et on crée 35 groupes de phases de jeu, donc 35 groupes de séquences d'états. Les méthodes de validation qui ont été utilisées pour la classification spatiale, c'est une observation des centroïdes et l'extraction de GIF. Et pour la classification temporelle, ce qu'on n'a pas eu encore le temps de mettre en place, mais qui est envisagé dans un futur proche, c'est de valider auprès d'experts du métier, donc notamment des coachs, en leur présentant les séquences de jeu et en demandant de les classifier pour le comparer aux résultats de nos algorithmes. Y a-t-il des questions ? Oui, merci beaucoup, c'était très intéressant. Sans entrer trop dans les détails techniques, mais est-ce que tu pourrais juste dire brièvement comment vous avez utilisé le transport optimal dans cette histoire ? Parce que je sais que le transport optimal est de plus en plus utilisé en statistique, ouais, c'est juste pour savoir. En fait, on voulait du coup définir une distance entre nos situations de jeu, donc une distance entre nos heatmaps. Donc nos heatmaps peuvent s'apparenter à des images. Et ce qui est de plus en plus utilisé en traitement d'image pour définir des distances entre images, c'est le transport optimal qui permet de calculer du coup là ici comment on transporterait de manière optimale nos quantités de pression d'une map à l'autre. Ok, merci. Y a-t-il d'autres questions ? Bien, merci Corentin. C'était en dehors de mon champ de...
vision. Merci, hein, c'était vraiment très intéressant aussi. Dans la deuxième partie, quand tu fais de la classification sur les séries temporelles, est-ce que tu caractérises en fait les classes que tu obtiens par des variables extérieures? Ça pourrait aider un peu les coachs peut-être à avoir une idée, ou c'est simplement des classes que, comment tu caractérises les classes, comment tu les identifies, les expliques? C'est juste des états E1, E2 qu'on n'a pas caractérisés par d'autres variables, mais ce qui pourrait être envisagé, oui, bien, pour améliorer le processus, ouais, totalement. Ok, merci. Moi, j'avais une question, c'est est-ce que le modèle, il prend en compte les qualités individuelles des joueurs, ou alors c'est une situation générale d'une équipe avec des joueurs standards, on va dire, quoi? Ouais, non, on individualise pas du tout. Ce qu'on pourrait faire, par exemple, là, c'est le Vmax, tu vois, dans le premier terme. Ce qu'on avait envisagé d'abord, c'était mettre la vitesse maximale du joueur, du coup, ce qu'il pouvait atteindre. Mais là, on a fixé une vitesse max à 36 km/h. Mais pour améliorer le modèle, ouais, on pourrait individualiser cette variable-là. Merci. Quentin, à toi. C'est ta clé Corentin, je crois. Ça, c'est le son. Et ça, c'est l'H2. Je peux mettre du son. C'est la vidéo. J'ai pas besoin du son. Bonjour à tous, donc Quentin de la Rochambert, je fais une thèse à la Fédération Française de Ski et à l'IRMES, et aujourd'hui on va s'intéresser à Alexis Peintureau, 6 fois vainqueur du Gros Globe de Cristal, champion du monde, triple médaille olympique. Qu'est-ce qui fait de lui l'un des meilleurs skieurs alpins de sa génération? Une gestion de carrière optimale avec à court terme une stratégie de course de qualité, à moyen terme avec sa gestion de sa charge d'entraînement optimisée, et à long terme avec un environnement favorable dès le plus jeune âge, favorisé notamment par ses bonnes performances. Alors, est-ce qu'il faut tout miser sur les jeunes skieurs ayant les mêmes performances qu'Alexis Peintureau au même âge? Ça, c'est le biais du survivant. On va concentrer l'attention sur les sujets ayant réussi sans prendre en compte l'ensemble des individus qui avaient le potentiel mais qui n'ont pas bénéficié d'un environnement favorable. Actuellement, en confondant sélection et détection, on mise tout, on met tout en place sur les skieurs les plus performants à un instant T, en délaissant les chances d'une grande partie du vivier. Parmi eux, des jeunes skieurs avec un bon niveau, mais juste en dessous des seuils de sélection. Des très jeunes skieurs n'ayant pas une structure adaptée, ou encore des athlètes pratiquant une autre discipline et inconscient de leur potentiel. Alors pour estimer le potentiel de l'ensemble de ces individus,
on va s'appuyer sur la variable qui explique le plus la performance, l'âge. Oui, plus de 90% d'un point de vue de l'espèce. Cette relation entre l'âge et la performance, elle a été théorisée par Moore en 1975, par une croissance exponentielle des qualités physiques, physiologiques ou encore d'habileté mentale, et une décroissance, elle aussi exponentielle, liée au vieillissement. Et à l'intersection de ces deux exponentielles, la performance maximale. Alors cette relation entre l'âge et la performance, elle dépend par exemple bien sûr de la discipline, avec un âge au pic de performance plus tôt pour les épreuves de force et de vitesse, et plus tard pour les épreuves d'endurance. Mais elle dépend bien évidemment aussi de chaque individu. C'est pourquoi il est primordial d'individualiser cette relation pour tous les individus connaissant les performances connues. Ces courbes de performance individuelle, il en existe de toutes sortes. On a tous une courbe de Moore en nous, mais si on les regroupe deux par deux les plus proches jusqu'à obtenir les typologies principales, on peut identifier des individus bons, du plus jeune âge jusqu'à l'âge adulte, des individus avec une maturité précoce, ou encore la partie immergée de l'iceberg, des individus qui passent sous les radars au plus jeune âge et qui ont le potentiel d'être parmi les meilleurs à l'âge adulte. Pour résumer, je dirais que ma thèse, elle consiste à mettre en application, via divers outils statistiques et mathématiques, la célèbre citation d'Einstein qui dit « Pour empêcher un oiseau de voler, faites-lui croire qu'il n'a pas d'ailes ». Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Bah écoute, merci à toi. Merci. Encore. Nous accueillons maintenant M. Christophe Lay, qui est notre keynote speaker aujourd'hui. Avec un grand plaisir. Bien donc, bonjour aussi de ma part, je suis très content d'être ici, je suis Christophe Lay, professeur de statistiques appliquées à l'Université du Luxembourg, et je suis très content de vous parler un peu, de vous donner un peu une sorte d'overview sur la science des données et le sport, et j'essaye de voir si c'est une combinaison en or ou en argent, potentiellement aussi en bronze. Donc ce sera un peu un résumé de plein de choses qui ont été faites dans la combinaison de ces deux disciplines. Mais pour commencer, parlons tout d'abord de la rencontre. Hein, Christian nous a parlé du développement du groupe Stat et Sport à la SFTS. Moi, je vais aller à la rencontre des sciences et données avec le sport. Je pense que la plupart d'entre vous le savent, mais quand même, je vais revenir à cette histoire qui est l'avènement des sports analytics. Comment est-ce que tout a vraiment, réellement commencé ? On faisait déjà des statistiques de sport par-ci et là, mais la révolution a réellement été entamée par cette histoire-ci de Billy Beane. Donc on est dans l'après-saison 2001.
Billy Bean, qui est le manager de son équipe de baseball, les Oakland Athletics, il était choqué par la mauvaise performance de son équipe, parce qu'ils ne sont pas allés très loin. Et donc, il s'est dit, mais il faut tout remanier. Or, il savait qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent, donc il y avait des moyens limités. Ce qu'il a fait alors, c'est qu'il a engagé un économiste, Peter Brand, avec qui il avait discuté pas mal avant. Il lui a demandé, mais toi, comment est-ce que tu ferais? Quels seraient les joueurs que tu prendrais? Et alors, il l'a engagé, et ce Peter Brand, il a utilisé une approche qu'on appelle Sabermetrics. Qui a déjà entendu parler du mot Sabermetrics? Deux personnes. Ça ne m'étonne pas. En fait, Sabermetrics, c'est un mot réservé pour Data Analytics in Baseball. Donc, le baseball, il a son mot à lui, et c'est les Sabermetrics. Donc, lui, il utilisait plein de statistiques pour dire quels sont les joueurs qu'il faut prendre avec des moyens limités. Et ça a connu un grand succès. Ils ont même fait un record dans la saison qui suivait. Et c'est ça qui a vraiment mené à la révolution des sports analytics, parce qu'on a vu, mais ça marche hyper bien. Et là, vous voyez sur la photo Billy Bean, et ça a été, un livre a été écrit sur cette histoire, livre qui s'appelle Moneyball, livre qui ensuite a été transformé en un film, et dont le rôle de Billy Bean a été joué par Brad Pitt. Un exemple flagrant où cette révolution a eu lieu, c'est le basketball. Pour ceux parmi vous qui aiment regarder la NBA, vous avez sans doute remarqué que, surtout entre les années 80 et 90 et maintenant les années 2010, il y a eu un changement énorme dans le basketball parce que les équipes prennent beaucoup plus de tirs à trois points. Le jeu a vraiment complètement changé, en Europe aussi, mais surtout aux États-Unis, à la NBA, il y a eu un changement radical. Et c'est venu au début des années 2000 quand le fameux coach des San Antonio Spurs, Greg Popovich, il a en fait remarqué que sur le terrain de basketball, la distance pour tirer un 3 points, elle était un peu moindre sur les côtés. Et donc, il a dit à son équipe, mais essayez, on va s'entraîner à des tirs à 3 points, surtout dans cette partie-là. Et vous voyez ici, vous pouvez voir que, donc ça c'est le ranking de son équipe sur le pourcentage de tirs à 3 points sur les côtés. Et vous voyez que sur les années début 2000, c'était toujours son équipe qui était la première à ce niveau-là. Et cela a entraîné cette révolution du tir à trois points. Donc on voit ici, en haut, on a l'équipe qui a lancé le plus de tirs à trois points dans une saison en NBA. Ici, c'est la moyenne. Et on voit qu'au fil des années, il y a vraiment eu un changement énorme. On est passé de 15 à près de 30. Donc ça a presque doublé et c'est ça qui a entraîné ce changement radical de la manière de jouer. Maintenant, une très grande motivation pour utiliser la science des données dans le sport, c'est le fait qu'il y a de plus en plus de données qui sont à notre disposition. Et là, je ne vous dis rien de nouveau. Il y a de plus en plus de caméras qui sont partout, qui permettent de filmer toutes les différentes séquences de jeu, mais aussi, ce qu'on vient aussi de voir dans les présentations, il y a aussi la technologie portable, comme par exemple les smartwatches et tout ça. Il y a de plus en plus de données qui peuvent être créées sur nous en portant ce qu'on appelle un wearable et qui ensuite peuvent être analysées, que ce soit pour l'explosivité de la course, comme on l'a entendu, ou pour d'autres raisons. Donc il y a des tas de données, et donc c'est ça évidemment qui motive l'utilisation de plus en plus de la science des données dans le sport. Et on entend souvent parler de science des données, et parfois ce n'est pas clair parce que de ce que c'est réellement. Qu'est-ce que c'est que la science des données? Voici une manière de la définir. La science des données, c'est l'extraction de connaissances à partir de données. C'est un peu ça à quoi on s'attend. Et en fait, on le fait en combinant des idées reçues de différents domaines, comme le machine learning, les statistiques, les mathématiques, l'ingénierie, l'informatique, et ainsi de suite. Et vous le voyez ici sur cet histogramme, on a Mathematics and Statistics, on a l'informatique, on a aussi, très important, la partie qui est ici, le savoir du domaine. Ça, c'est crucial, parce que quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout en sport, s'il faisait une analyse de données, elle pourrait ne pas avoir de sens du tout. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est très important, et la science des données se situe vraiment à l'intersection de ces différents domaines. Et un domaine qu'on a déjà entendu plusieurs fois aussi aujourd'hui, c'est le machine learning.
Et là aussi, je veux prendre un peu de recul et me poser la question, qu'est-ce que c'est en fait que le machine learning? Pour cela, revenons dans l'année 59, où Arthur Samuel a pour la première fois donné une définition du machine learning. Je vous le lis parce que c'est la définition originale en anglais. Donc, il a dit « It's a field of study that gives computers the ability to learn without being explicitly programmed. » Pour expliquer un peu mieux cela, je vous montre le schéma que voici. Là, je n'ai pas besoin de mettre des droits d'auteur parce que j'ai moi-même fait ce schéma qui, comme vous le voyez, il est extrêmement simple. Je n'ai pas trop de talent graphique. Donc, dans la programmation traditionnelle, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a des données et on a un programme. Et la machine nous donne le résultat. Par exemple, le programme, ça peut être tirer une racine carrée. On peut lui donner comme données 49. Eh bien, le programme va nous donner 7. Ça, c'est très facile. C'est ce qu'on connaît sur les calculatrices. En machine learning, c'est l'inverse. On a les données et on a le résultat. Et c'est la machine qui est censée trouver le programme. Donc, à la machine, on lui donne 49 et 7, et c'est la machine qui est censée trouver que le lien entre les deux, c'est tirer la racine carrée. C'est comme ça que fonctionne globalement le machine learning. Le machine learning est donc une sorte de ce qu'on appelle une intelligence artificielle. Et aussi, on peut se demander, mais c'est quoi l'intelligence artificielle en général? Parce que l'intelligence artificielle, ce n'est pas juste le machine learning, il y a aussi la robotique, il y a la reconnaissance de paroles et tout. Mais là, on peut le définir comme la capacité d'un ordinateur numérique ou d'un robot contrôlé par ordinateur à effectuer des tâches généralement associées à des êtres intelligents. C'est pour ça qu'on l'appelle intelligence artificielle, parce qu'on a l'impression que ce sont des tâches qui requièrent une certaine forme d'intelligence. Et le machine learning, bien sûr, est la forme la plus connue, ensemble avec le robotique, de l'intelligence artificielle. Et c'est un peu un hype ces temps-ci, hein, l'intelligence artificielle. On se dit, mais c'est un truc hyper moderne. Mais non, pas quand on regarde de près, parce que l'intelligence artificielle remonte aux années 40 avec Alan Turing. Hein, Alan Turing, dont vous avez peut-être vu le film au cinéma The Imitation Game. C'était déjà dans les années 40 que l'idée de l'intelligence artificielle est là. Le problème, c'est qu'il a fallu attendre jusqu'au début des années 2000 pour avoir les ressources d'ordinateurs nécessaires pour vraiment pouvoir appliquer l'intelligence artificielle. Mais l'idée, elle est là depuis déjà bien longtemps. Et l'intelligence artificielle a des capacités inouïes. Et je vais vous montrer ici quelque chose qui n'a rien à voir avec le sport, mais juste pour vous donner un peu une idée de ce qu'il y a moyen de faire de nos jours. Donc, en haut à gauche, sous A, vous voyez une partie d'une ville. Bon, c'est une photo classique. Ce qu'il y a moyen de faire avec l'intelligence artificielle maintenant, c'est qu'on peut retranscrire cette photo selon l'art de grands peintres. Ce que vous voyez ici, par exemple, en bas à gauche, là, la photo, elle a été transformée selon la célèbre Nuit étoilée de Van Gogh. Donc, l'intelligence artificielle a pris comme donnée la manière de dessiner de Van Gogh, et on lui a donc demandé d'elle-même de redessiner cette image d'en haut suivant Van Gogh. Et donc, c'est comme ça que Van Gogh aurait dessiné cet endroit de la ville. En haut à droite, c'est de Thompson, là, c'est celui que j'oublie toujours, peut-être qu'il y a des connaisseurs dans la salle qui reconnaissent. Thurston. Oui, en bas à droite, c'est Der Schrei de Munch. Donc là, vous voyez que comment ça c'est fait selon Edward Munch. Voilà, donc ça montre juste une des capacités actuelles que possède l'intelligence artificielle. Et donc, il y a des choses qu'on peut vraiment faire dans le monde du sport où on pourrait vraiment tirer parti de ces capacités de l'intelligence artificielle. Maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer les différents. Maintenant, on va passer en revue plusieurs choses, plusieurs développements qui ont eu lieu dans le monde des sports, dont vous connaissez plusieurs. Et je vais faire une sorte de classification en médailles d'or, d'argent et de bronze. Pour dire aussi, la médaille de bronze, c'est là où il y a encore le plus d'efforts à fournir, mais aussi le plus de possibilités. Et cette classification, elle se base sur ce qui existe en littérature, mais aussi sur des discussions que j'ai eues avec des experts. Et c'est évidemment aussi relié à la difficulté. Comme vous allez le voir, la médaille de bronze, quand on y arrivera, c'est lié à un problème qui est vraiment
extrêmement difficile, mais qu'il vaut vraiment la peine d'essayer. Donc, moi, je pense qu'au niveau des analyses et des tactiques, il y a encore toujours des belles choses à faire, mais les avancées sont déjà très, très fortes. Et on va maintenant voir certains de ces exemples. Le premier exemple, c'est les expected goals. Mais je pense que vous avez sans doute déjà vu à la télévision, lors de matchs de football, le concept de expected goals. Et je dois dire que hier, pour donner cet exposé, j'ai eu quelques exemples de football et je m'étais dit, selon le résultat du match hier soir, j'étais un peu nerveux de parler de football. Mais je pense que là, du moins pour la plupart des gens, je ne fais pas de mal à montrer ces exemples de football. Donc, c'est quoi les expected goals? Ben, en gros, c'est pour chaque tir, ça donne la probabilité d'un but. Donc, par exemple, si je tire à partir d'un certain point, l'ordinateur peut dire quelle est la probabilité, donc un chiffre entre 0 et 1, pour que je marque à partir de cette position-là. Et à la fin d'une rencontre, pour chaque tir qui a été fait, on somme toutes ces probabilités et ça nous donne les expected goals de chaque équipe. Donc, comme on le voit là, c'était un match que le PSG a perdu contre Manchester City 1-2. Mais sur les expected goals, on voit que c'était 1,6 à 0,9. Donc, en gros, PSG était plus actif que Manchester City, mais que les Citizens étaient extrêmement efficaces quand il s'agissait de marquer les buts. Et donc, ça raconte davantage sur un match que uniquement le score final. Parce que bah, le 2-1 qu'on voit là, ça pourrait aussi être un 2,3 à 0,5 qui montre bien que ben, ceux qui ont gagné étaient vraiment plus forts que les autres, mais ça peut même être quelque chose du style 1,8 à 4,5 qui montre clairement que c'était les attaquants de l'équipe qui a perdu, ils avaient de très belles possibilités, mais ils ne les ont juste pas finalisées. Et donc cela peut être extrêmement informatif, pas uniquement pour les fans qui sont friands de ce type de statistiques, mais surtout aussi pour les coachs. Hein, si on regarde les expected goals sur un laps de temps assez long, ben, ça donne quand même une idée de à quel point est-ce que mes joueurs sont performants pour vraiment concrétiser les chances qu'il y a. Et ça donne aussi lieu à des rankings alternatifs. Par exemple, ici en France, je sais qu'il y a des rankings qui sont tenus sur les équipes en termes de leurs expected goals pour dire ben, combien de chances se sont créées les différentes équipes, mais aussi pour les buteurs, à quel point les buteurs sont efficaces. Et ces expected goals, ils proviennent d'une grande base de données, de plus de 40 000 possibilités de tir, où on tient compte de la position sur le terrain, de la distance au but, de l'angle, des défenseurs qu'il y a entre le joueur et le gardien. Et c'est sur base de ce énorme jeu de données que les expected goals sont calculés. Ben, un deuxième exemple, c'est un exemple en fait, qui vient de notre ami Arthur Leroy, qu'il a fait ensemble avec la Fédération française de natation. Ils se sont intéressés à l'identification de talents dans la natation. Et donc j'ai pris cet extrait d'un chapitre de livre qu'il a fait pour le livre Science Meets Sports, When Figures Are More Than Numbers, un livre que j'ai édité avec mon collègue Yves Dominici. Et en fait, ce qu'ils se sont dit, c'est que pour les jeunes, il y a des trajectoires très différentes. Il y a des développements très, très différents dans le jeune âge. Et si on les met tous ensemble et on les compare tous, ben, on risque de perdre certains talents qui se sont déclarés un peu plus tard. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé, ils ont développé une méthodologie qui regarde pour les jeunes, au fil du temps, quelles sont leurs performances. Donc, pour cela, ils ont utilisé des séries chronologiques et ils ont utilisé aussi une méthode qui s'appelle clustering. Clustering, ça met ensemble des données qui se ressemblent, en gros. Donc, on a un tas de données et le clustering nous permet de faire de l'ordre, de dire tous ces gens-là appartiennent à un même groupe, sont comparables. Et alors on obtient quelque chose comme ce graphique-ci où on voit 5 groupes de jeunes et c'est en fonction de leur âge, voilà le développement typique qu'ils prennent dans chacun des groupes. Et donc on voit par exemple que le groupe qui vient ici, donc, qui était bien plus long à l'âge jeune que ceux dans le premier groupe ici, ben, ce groupe il a un développement phénoménal. Et si on comparait juste tous les jeunes à ce niveau-ci, ben, on risquerait de louper les jeunes très performants qui ici
se rassemblent. Et c'est pour ça que cette méthodologie permet de mieux identifier les différents talents qu'il y a. Autre exemple, c'est encore un exemple de foot, mais qui s'applique aussi au handball, au basketball, etc. C'est ce qu'on appelle les zones de contrôle. Et ça, c'est surtout intéressant pour les coachs et pour les analystes vidéo qui, par après, peuvent utiliser ces outils pour mieux faire leurs analyses. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Ben, on voit en rouge et en bleu, ça, ce sont les différents joueurs des deux équipes. Et pour chaque joueur, on met sa zone de contrôle. Donc ça, c'est à cet instant précis, s'il court à une certaine vitesse, ça, c'est pour ce joueur-ci, cette zone bleue, c'est l'ensemble des points du terrain où ce joueur sera le premier à être là-bas s'il continue sur la vitesse telle qu'elle est mesurée au moment où on a pris ce cliché de photo. Et donc, comme ça, on peut voir, ben, ici, par exemple, le gardien, il est assez esselé. Tout ça, c'est sa zone de contrôle. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en faire? Ben, avec ceci, par exemple, on peut voir, c'est ce joueur-ci qui a la balle. Ben, s'il veut faire une passe, par exemple, à son attaquant qui se trouve ici, en tenant compte de la ligne du hors-jeu, bien sûr, eh bien, on voit que c'est la zone jaune ici, qui est la zone la plus intéressante, parce que s'il fait la passe là-bas, alors c'est ce joueur-là qui serait le premier sur la balle, et il ferait en plus une passe dans le dos de la défense. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'on tient non seulement compte de la vitesse des joueurs, mais également de la direction vers laquelle ils sont en train d'aller. Et donc ça, c'est pour faire les analyses de match après les matchs, c'est un outil extrêmement pratique. Bon, ce type de visualisation, je vais y passer plus rapidement parce que j'ai vu que Antoine avait déjà montré cela. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des plots radiales. Ici, j'ai pris un exemple de Manissera, Sandri et Zuccolotto, où ils ont comparé les pivots, trois pivots différents dans la NBA, selon leurs capacités, que ce soit pour bloquer, les steals, les assists, les rebounds, les free throws, désolé. C'est quoi? Comment on dit déjà free throw en français? Les lancers, oui. Les tirs à trois points et les tirs à deux points. Donc comme ça, on peut par exemple voir que les trois pivots qu'on a ici, Towns, Davis et Joel Embiid, ben, ils ont quand même des profils très différents. Ce qui est très intéressant, de nouveau, pour les coachs, mais aussi pour les fans, pour voir un peu leur style de jeu. Alors, un endroit où vraiment la science des données et l'intelligence artificielle ont clairement pris le dessus, c'est ce qu'on appelle les sports de stratégie. Je sais qu'il y a toujours un peu la discussion, est-ce qu'on peut vraiment considérer ça comme des sports, mais ça fait officiellement partie des sports. Et donc, les échecs, par exemple, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, aux échecs, elle n'est plus battable. C'est impossible. Là, je vous ai mis une photo de mon ancien ordinateur que j'avais quand j'étais enfant. C'était mon ordinateur contre lequel j'adorais jouer des parties. J'aimais surtout jouer au niveau 1. Le niveau 2, il était évidemment plus difficile. Ce n'était pas ça la raison, mais l'ordinateur mettait énormément de temps avant de faire un mouvement. C'est pour ça que je m'arrêtais toujours au niveau 1, parce que pour un enfant, ça ne devenait pas intéressant d'être là assis trop longtemps. De nos jours, ils vont beaucoup plus vite, et surtout, c'est un tout autre niveau. Et là, la question, c'est... mais comment est-ce qu'on fait? Quelles sont les données qui permettent de le faire? Et pour ça, je vais faire une brève excursion vers ce qu'on appelle le reinforcement learning. Et je vais vous l'expliquer sur base d'un jeu vidéo que peut-être vous connaissez, Super Mario Brothers, qui date des années 80. Donc, dans ce jeu vidéo, ben, on a Mario, et Mario est censé aller au bout d'un certain niveau. Il y a plein d'obstacles qui arrivent sur son chemin. Et dans le reinforcement learning, le principe, c'est qu'on a un certain agent, ici Mario, qui est supposé trouver le meilleur chemin, qui est truffé d'obstacles. Et la seule chose qu'on lui dit, c'est qu'il y a une certaine récompense que tu veux maximiser. Okay? Et après, on laisse faire la machine. On lui dit, ça c'est l'ensemble des choses que tu pourrais faire. Et on veut que tu... Ici, le but pour Mario, c'est ne pas mourir, arriver au bout et ne pas mourir. Et alors, on laisse faire la machine qui est censée apprendre par sa propre expérience. Bon, comment ça se passe? C'est la seule chose qu'on dit à la machine. Il ne faut pas mourir. Donc, ben, la première fois quand la machine est censée jouer, ben, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle ne va rien faire.
Elle va juste rester là, sur place. Mario ne va pas bouger, parce qu'elle ne sait pas que c'est mauvais de ne pas bouger. Hein. On ne lui dit rien d'autre. Donc, il va rester sur place. Et soit il va mourir parce que le temps sera écoulé, soit il y aura un méchant, dans son cas, c'est ce qu'on appelait les Goombas, hein, le Goomba qui va arriver et qui va l'écraser. Bon, alors, au proche, donc, il sait, au deuxième essai, ben, il saura déjà que rester sur place, ce n'est pas la bonne stratégie. Et donc, il va se mettre à marcher. Il ne saura pas que c'est une bonne idée de sauter, ben, il va se mettre à marcher. Le Goomba qui arrive lui fonce dedans, Mario va mourir. Bon, au prochain essai, donc du coup, il recommence et il va marcher et il va se dire, ben, là, je dois faire quelque chose. Peut-être qu'il va essayer de marcher plus vite, ben, il va encore mourir. Et à partir d'un certain moment, il va savoir, ah, essayons de sauter. Et il va sauter au-dessus du Goomba. Puis il viendra un mur, ben, il va marcher dans le mur, il ne saura pas quoi faire, il va continuer à marcher dans le mur jusqu'à ce que le temps soit écoulé. Et puis, au prochain essai, il saura, ah, pour le Goomba, je dois sauter, pour le mur, sautons aussi au-dessus. Et environ à partir de 35 essais, ben la machine aura trouvé la manière idéale pour faire tout le parcours. Et c'est une manière de faire qui diffère de celle que nous autres humains ferons, mais qui est hyper efficace. Et c'est exactement cette manière-là qui est aussi utilisée pour les jeux d'échecs. Donc, on ne donne pas du tout une base de données à l'ordinateur pour apprendre, non. On dit à l'ordinateur, joue contre toi-même. Donc, on a deux ordinateurs qui jouent l'un contre l'autre, et qui, du coup, apprennent, à la manière de Mario, de leurs erreurs respectives. Et ça génère une énorme base de données suite à leurs propres erreurs, et c'est ça mais ça rend l'intelligence artificielle imbattable. Et elle vient aussi avec des stratégies qui sont tout à fait différentes de celles des humains, parce qu'elle n'est pas nourrie par des données humaines, mais bien par sa propre expérience. Un exemple encore plus frappant, c'est le jeu de Go, qui est une version bien plus compliquée, où on pensait toujours, mais il n'y a pas moyen de trouver un ordinateur qui le fait. Eh bien si, AlphaGo de Google, ils ont trouvé, par ce type de reinforcement learning, ils sont parvenus à trouver une intelligence artificielle imbattable qui bat maintenant les meilleurs joueurs de Go. Voilà, donc ça c'était pour les analyses et les tactiques. Maintenant, la médaille d'argent, j'ai envie de dire, c'est au niveau des prédictions et des paris sportifs. Vous comprendrez pourquoi je dis ici médaille d'argent. Donc ici, ce qu'on va utiliser surtout, ce sera ce qu'on appelle le machine learning supervisé. Donc très vite, qu'est-ce que c'est ? Ben, sur base de certains facteurs déterminants, nous aspirons à prédire une certaine quantité qu'on appellera réponse. Donc on a des prédicteurs et on a une réponse. Et comme je l'avais dit, hein, machine learning, on lui donne input, les prédicteurs, output, la réponse, et c'est la machine qui est censée trouver l'algorithme qui relie les deux. Donc, en termes mathématiques, et ce sera le seul terme mathématique qui va se trouver dans la présentation. Donc, si on a des prédicteurs que je vais noter x1 jusqu'à xp, à chaque ensemble de prédicteurs correspond donc une réponse associée yi. Et grâce aux données qu'on donne à la machine, données pour lesquelles on sait quel est le lien entre... On connaît les prédicteurs et on connaît la réponse, donc on lui donne ça. On appelle ça les training data, parce que la machine peut s'entraîner là-dessus. Sur base de ces training data, la machine apprend donc cette relation entre les facteurs déterminants et la réponse. Et ça peut être, avec ça, on peut faire de la régression, de même que de la classification. Maintenant, en concret, comment est-ce qu'on construit un tel modèle machine learning si on cherche à prédire le résultat d'un match de foot ? Et pour ça, je prends un match... très, très, très difficile à prédire, à savoir, la France, est-ce qu'elle pourra battre la forteresse imprenable qu'est l'équipe luxembourgeoise ? C'est quand même la question qu'on se pose tous ici. On se demande qui sera plus fort. Ce n'est pas évident du tout. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour trouver une réponse à cette question très difficile ? Tout d'abord, il faut se définir un but. Et notre but ici, c'est, ben, pour jouer un peu sur le mot but, prédire le nombre de buts que chaque équipe va marquer. Parce que si on arrive à prédire le nombre de buts de la France et du Luxembourg, ben on saura on pourra prédire qui va gagner. Pour cela, il faut trouver des facteurs déterminants. Ben, quels pourraient être des facteurs déterminants ? Ben, il y a beaucoup de possibilités. On pourrait regarder l'âge moyen des joueurs, on peut regarder les résultats précédents des équipes nationales, on peut regarder le niveau des joueurs, etc. Ensuite, il faut bien sûr collecter plein de données. Donc, pour ça, on regarde, par exemple, les résultats de matchs précédents.
Parce qu'alors, on sait, ben, pour ces données-là de joueurs, les équipes ont joué, ont eu ces résultats et ces autres résultats. Et donc, ben, quand on a les données, ben, c'est alors que vient le moment d'entraîner notre modèle, d'entraîner l'intelligence artificielle, c'est-à-dire on cherche à nouveau l'algorithme qui relie nos facteurs déterminants aux résultats de chaque match. Et c'est alors qu'on arrivera à prédire que, plus que probablement, la France va écraser le Luxembourg. Voilà. Et tout ça, on peut le mettre en musique si on cherche à prédire des tournois internationaux, comme des Coupes du Monde. Et moi-même, j'ai participé avec, depuis 2018, je participe avec un groupe de collègues à faire ce genre de prédictions. Donc, on combine des méthodes statistiques et de machine learning. Donc, c'est de là, d'ailleurs, que vient aussi cette idée de la thèse sur laquelle travaille Florian, la combinaison de machine learning et de statistiques. Et donc, on définit, pour les équipes nationales, on définit les facteurs déterminants. Et selon la méthode que je vous ai expliquée au slide précédent, on cherche donc à prédire les résultats des matchs individuels. Donc quand on cherche à prédire tout un tel tournoi, qu'est-ce qu'on fait ? C'est on va prédire individuellement les différents matchs. Et quand on est capable d'estimer les chances de victoire de chaque équipe lors d'un match, alors à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est on peut simuler tout un tournoi. Là, on va simuler toutes les différentes rencontres, et alors on va simuler tout le tournoi. Et en simulant des tournois, par exemple, quand on est en quart de finale, dans certaines simulations, on va tomber sur un match nul. Dans ce cas-là, on va simuler les prolongations et on va aussi simuler les tirs au but. Pour la simulation de tirs au but, ce qu'on fait, c'est on jette une pièce de monnaie. Donc c'est vraiment ça qu'on fait parce qu'on n'a pas trouvé, si vous avez une meilleure idée de modéliser les tirs au but, je serais preneur, mais on se dit que... C'est vraiment un peu une loterie. Donc, c'est comme ça que ça se passe. On a fait 100 000 simulations. Vous pouvez en faire moins ou plus selon ce qui vous plaît le plus. Et dans chaque simulation, il y aura un vainqueur qui va sortir. Donc ça, c'était ce qu'on avait fait pour la Coupe du Monde 2018. Par exemple, dans cette première simulation, le vainqueur, à la fin, c'était le Brésil. Dans la deuxième, c'était la France. Dans la troisième, c'était la France. Croatie. Voilà. On le fait 100 000 fois. Et dans le cas de la France, en 2018, elle était vainqueur dans 10 800 simulations. Et donc, on voit, en divisant par 100 000, ça donne 10,8% de chance à la France de l'emporter. Ça peut paraître très bas, mais il ne faut pas oublier que nous avons plus de 20 équipes à qui on va donner des chances. Et il y a plusieurs équipes qui sont quand même à un niveau très élevé. Donc, je pense qu'ici, on avait 5 équipes qui étaient aux alentours des 10%, donc ça fait déjà beaucoup. Et puis, il y a aussi des équipes comme la Suède, la Croatie, qui sont entre 5 et 10%. Donc, c'est pour ça qu'on obtient quelque chose comme 10,8%. Et ce qu'on a fait donc, à cette Coupe du Monde, on a participé aussi à des compétitions pour voir à quel point cette intelligence artificielle marche bien. Et si c'était une compétition allemande qui s'appelait Kicktip, où on a jouer contre ce que j'appelle des IH, des intelligences humaines, donc contre des humains qui ont parié sur les matchs individuels, et on peut voir que le modèle qu'on a développé, c'était clairement le vainqueur de cette compétition. On a aussi participé à une compétition internationale avec plus de 500 participants où le modèle sortait deuxième en fin de compte. Jusqu'à la finale, on menait, c'est à la finale que... celui qui était deuxième nous est passé devant. Donc, ce que ça montre, c'est que au fil de plusieurs matchs, une telle intelligence artificielle, elle donne vraiment de très bons résultats. Et ça fait partie du fait que les bookmakers, ils peuvent offrir ces paris sportifs parce qu'ils ont des super modèles qui marchent extrêmement bien et qui leur garantissent aussi des revenus. Donc, on voit que, comparé aux humains, sur l'ensemble des matchs, une telle machine, elle fait vraiment mieux. Donc pourquoi est-ce que je parle de médaille d'argent, du coup ? C'est à cause de la chose suivante. C'est que le modèle avait donné en fait l'Espagne, avec 13,7%, comme favorite de la Coupe du Monde. Alors, l'Espagne est sortie en 8e de finale. Et si vous vous souvenez, qu'est-ce qui s'est passé avec l'Espagne en 2018 ? Un ou deux jours avant la compétition, ils ont licencié leur coach. Et ça, évidemment, ce que ça fait avec l'équipe, ça, c'est quelque chose qu'aucun modèle
ne peut vraiment modéliser. Ça, c'est impossible. Il reste clairement des limites. La France était troisième dans ses prédictions. Maintenant, si on regarde sur les matchs, le modèle a su correctement prédire 61% des matchs. Et ça semble pas très élevé hein, quand on y pense. Seulement 61%. Maintenant, évidemment, par rapport à du random guessing, il faut comparer ça à 33%. Donc, on voit quand même l'apport que ça fait. Mais tout de même, on est seulement à 61%. Dans d'autres sports, j'ai un peu regardé dans le tennis, j'ai vu des études récentes qui sont allées jusqu'à 77%, mais ça reste relativement bas. Et ça, c'est heureusement dû au fait que ce sont des sports qui sont joués par des humains et qu'on n'est donc jamais vraiment capable de prédire ce qui se passe. C'est pour ça que je dis médaille d'argent, et pour moi, ça va rester toujours médaille d'argent parce que c'est des bonnes méthodes, mais on ne va jamais pouvoir aller au-delà d'un certain seuil, justement et heureusement à cause du fait que c'est des sports faits par des humains. Et puis la médaille de bronze, c'est la prévention de blessures, peut-être un des sujets les plus importants. Mais là, c'est un sujet qui est de plus en plus développé, et c'est pour ça qu'il y a, je dis médaille de bronze, parce que là, la combinaison avec les statistiques, la science des données, ben, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se faire et qui sont en train aussi de se faire. Donc, parmi les études qui ont été faites, voici une qui a été menée par le Luxembourg Institute of Health ensemble avec Decathlon. Ils voulaient savoir à quel point l'amortissement dans les chaussures aide à ne pas se blesser pour des athlètes qui sont coureurs. Donc pour cela, ils avaient fait une étude sur 848 coureurs amateurs et ils ont utilisé des méthodes statistiques comme l'analyse de survie et les modèles à risque compétitifs pour en effet pouvoir voir que un certain type de chaussures était meilleur que l'autre quand il s'agissait de ne pas se blesser quand on faisait la course. Et c'est cela surtout pour les athlètes plus légers. Quand on est plus lourd, ça avait moins d'impact, mais c'était surtout pour les athlètes légers. Donc ça, c'est une analyse de facteurs de risque qui a été faite et qui est quelque chose qui est très révélateur. Donc là, on voit que c'est un facteur de risque. Ça, c'est des résultats qui existent, déterminer les facteurs de risque et qui évidemment, nous permettent d'avoir une idée de comment on peut prévenir des blessures, mais ce n'est toujours pas un modèle de prédiction. Est-ce qu'une blessure va pouvoir survenir ou pas? Alors, je vous montre aussi le travail dans le rugby. Et surtout, c'est la thèse de Jérémy Sheradam que Christian avait aussi déjà mentionné. En rugby de haut niveau, sur 1000 heures de jeu, vous avez 91 blessures qui surviennent. C'est très difficile. À chaque fois que j'ai un mot comme ça, il y a le 91 qui me vient si naturellement après avoir passé plus de 10 ans en Belgique. C'est vraiment un effort de penser aux 91. Oui, mais j'essaye. Alors ici, c'est un guide qui a été développé par Gabet en 2015, où ils ont regardé le travail qui est fait à l'entraînement. Et ils ont montré, pour un certain ratio, ils ont montré que ça, c'est ce qu'on appelle le sweet spot. Donc si on fait une telle charge de travail, eh bien là, il y a un très petit risque de se blesser. Tandis que si on est dans cette zone-là, ah ben, c'est la zone à risque, parce que là, on pourrait, si on est là-dedans, on a un très grand risque de se blesser. Et Jérémy, dans sa thèse, que j'ai eu le plaisir d'être de lire en tant que membre de son jury, il a fait beaucoup de telles analyses statistiques pour vraiment pouvoir regarder est-ce que la position joue un rôle, quel est le rôle de la partie de la saison première contre deuxième partie, quel est le rôle de la charge d'entraînement. Donc il a fait des tableaux comme cela, je vais pas aller dans les détails, mais c'est vraiment une analyse statistique qui a été faite en profondeur. Mais même cette analyse-là n'a pas encore donné un modèle très performant quand il s'agit de prédire la blessure. Donc ça reste vraiment quelque chose qui est compliqué, malgré le fait qu'on sait maintenant quels sont des facteurs de risque. Au sein du rugby, il y a de nouvelles opportunités pour justement améliorer encore l'analyse. C'est l'observatoire médical du rugby qui a été mis en place et qui justement est là pour pouvoir engendrer plein de données. Alors, pourquoi est-ce que c'est si compliqué? C'est un réel défi de prédire le risque de blessure. Ben, c'est un problème multifactoriel parce qu'il y a tellement de choses dont il faut tenir compte. Et
on a beaucoup de données qui à analyser dans ce problème. Il y a des données qui sont il y a beaucoup de données, et les données sont aussi de types différents. Par exemple, on peut avoir des données d'images, on a la technologie portable qu'on a déjà dit, il y a des questionnaires à remplir, puis il y a ce qui se passe à l'entraînement, ce qui se passe lors des matchs, il y a aussi les facteurs orthopédiques, anatomiques et tout. Il y a énormément de facteurs différents, il faudrait vraiment le faire individuellement sur chaque athlète, et c'est ça qui rend le challenge si compliqué. Une autre chose qui complique la tâche, et c'est un fait heureux en fait, c'est que les blessures sont sans doute des événements rares. Hein, comme j'ai dit, sur 1000 heures, il y a 91 blessures. Ah, c'est arrivé. Il y a 91 blessures. Et c'est donc, si on a un jeu de données, typiquement, ce qu'on a, on a plein de séances d'entraînement où il n'y a rien qui se passe, et très peu où il y a une blessure qui se passe. Et donc, c'est un événement rare. Et prédire un événement rare, c'est compliqué. Il y a un nouveau trend vers le machine learning, mais ce trend n'est pas encore vraiment bien développé. Avec mon doctorant Hans van Eetveld, on avait fait une revue systématique de la littérature, et on a pu voir qu'il y avait vraiment un souci à ce niveau-là, que c'est vraiment ce domaine doit encore davantage se développer. Ce qui est essentiel quand on développe des méthodes, c'est que l'algorithme soit interprétable. Parce que sinon, si on a juste quelque chose qui est une black box qui nous dit blessure oui ou non, mais sans nous dire pourquoi, ben alors ça ne sert pas à grand-chose non plus. Et ce qui est aussi essentiel, c'est qu'il y ait une bonne communication avec le staff sportif. Et bien sûr aussi, il faut la volonté des athlètes pour pouvoir accepter les résultats qui proviennent d'une telle analyse. Donc je vais terminer juste en disant que c'est une étude en cours que je suis en train de faire avec ces gentlemen. Donc c'est la thèse de Pierre-Adi Dandrieux. Et l'étude qu'on est en train de faire s'appelle I Predict AI, Injury Prediction with Artificial Intelligence. Donc c'est sur des athlètes de la Fédération française d'athlétisme. Donc ils sont suivis sur 38 semaines. Et en fait, on leur donne des questionnaires quotidiens sur leur activité sportive, l'état psychologique, leurs blessures qui sont survenues, le degré, le sommeil, et aussi le degré d'utilisation d'une app qu'on est en train de mettre, qu'on a mis sur pied pour cette étude. Bon, vous voyez déjà un challenge, c'est des questionnaires quotidiens. C'est ça qu'il faudrait idéalement pour pouvoir vraiment avoir les meilleures données possibles, mais il est très dur aussi pour des athlètes de vraiment remplir des questionnaires quotidiennement. Donc ça, c'est quelque chose, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de données manquantes dans les questionnaires. Et c'est quoi cette app? Ben, EREFS, ça représente Injury Risk Estimation Feedback. Donc en gros, c'est une app qui donne à chaque athlète, sur base de ces données, un feedback. Quel est ton risque de te blesser la prochaine journée? Et ce qu'on cherche à faire dans cette étude, ben, c'est d'un côté de trouver des algorithmes qui permettent d'estimer les risques de blessures, mais aussi de voir à quel point le fait que les athlètes consomment ce feedback, de voir comment ça se passe. C'est vraiment une mise en pratique. Est-ce que les athlètes regardent sur leur app? Est-ce qu'ils agissent aussi en conséquence? Si on leur dit, vous avez un grand risque de blessure, est-ce qu'alors ils vont s'entraîner un peu différemment dans les jours qui viennent? Oui ou non? Quel est le degré d'acceptation? Et aussi, parmi ceux qui l'acceptent et ceux qui ne l'acceptent pas bien, est-ce qu'il y a une différence? Donc, quelle est vraiment l'efficacité d'une telle app? Et donc, la mesure qu'on regarde, c'est le nombre de jours perdus pour 1000 heures d'activité sportive. Donc, ça, c'est le design d'études. Ben, sur 4 semaines ici, donc c'est la période initiale, ben, c'est là qu'on entraîne notre modèle. Et puis, sur les 34 semaines qui suivent, qui sont maintenant d'ailleurs en cours, c'est là qu'ils reçoivent leur risque quotidiennement sur la app, et qu'on va donc collecter des données aussi sur leur utilisation de l'app qu'on leur donne. Et juste pour vous montrer, c'est ça que voient les athlètes. Donc, ils voient ici, bon, ça c'est un cas un peu drastique que j'ai montré là, mais ça c'est le risque de se blesser. Donc, s'ils continuent l'entraînement tel qu'ils le font jusqu'à présent, ça c'est le risque qu'ils ont de se blesser. Donc ici, il est mis à 90, donc assez élevé. On leur indique aussi la fiabilité des prédictions, donc à quel point est-ce que l'algorithme est sûr de ce qu'il raconte. Et on leur met ici aussi les facteurs à risque. Donc on voit les facteurs qui contribuent positivement à se blesser
et négativement à se blesser. Donc, c'est un peu l'inverse de ce qu'on, des mots positifs et négatifs. Mais ça, c'est vraiment les facteurs à risque qui sont ici en bleu, donc qui leur indiquent aussi, ça, c'est peut-être ça, si tu veux changer quelque chose, ce serait ça. Donc, en guise de conclusion, la science des données, elle a révolutionné le sport. Et il y a maintenant, on a mis sur pied un groupe international qui s'appelle S-Training, qui se réunit aussi régulièrement et où il y a des séminaires mensuels pour justement parler de science des données et de sport. Et si vous êtes intéressé de devenir membre ou de ne fût-ce que d'écouter les séminaires, ben, vous pouvez me contacter et me donner votre adresse email et je vous rajouterai à notre mailing list. Une chose est sûre, c'est qu'on arrivera, sauf pour des sports tels que les échecs, pour le reste, on n'aura jamais 100% de contrôle par les données à cause du fait que, heureusement, ben, ce sont des humains qui font le sport et que donc on ne peut jamais être sûr à 100%. C'est ça qui est, je pense, une très bonne nouvelle. Selon le domaine et le but, ben, on peut dire que c'est une combinaison jusqu'à présent en or, argent ou en bronze. Ben, surtout là où c'est une combinaison en bronze qui est très importante, je pense qu'il y a encore un énorme potentiel à exploiter. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour. Moi, j'avais des questions au niveau des méthodes qui étaient utilisées dans l'application AERIF, des méthodes de prédiction. Comment vous arrivez, quel algorithme est utilisé ? Comment vous arrivez à avoir du coup une incertitude bien quantifiée ? Et aussi la méthode utilisée pour faire ressortir les facteurs qui ont plus ou moins pesé justement dans cette prédiction-là. Oui, merci. Donc, dans le IREF, il y a deux niveaux différents. Il y a d'un côté l'analyse qu'on fera à la toute fin, qui sera une analyse statistique pour comparer à quel degré est-ce que IREF a été utilisé et faire un test statistique qui compare. Est-ce qu'il y a eu une différence significative entre les athlètes qui l'ont utilisé et ceux qui ne l'ont pas utilisé ? Donc ça, c'est vraiment les méthodes statistiques classiques, les tests d'hypothèses qu'on fait. Mais au quotidien, ce qu'on utilise, ben, on utilise des méthodes machine learning du type random forest et aussi neural network qu'on utilise là-dedans pour pouvoir estimer les risques et en même temps, donc les incertitudes, on les donne sur base de... des données de training qu'on a collectionnées sur les 4 premières semaines. Donc, on commence... Ça, c'est le Building Predictive Model. Donc, ça, c'est vraiment le temps latent durant lequel on construit le modèle et sur base duquel, quand on commence ici, on donne l'incertitude ou l'accuracy qui est associée à la prédiction. Et puis, au fil du temps, ben, on va évidemment toujours rajouter à notre ensemble de données toutes les données qui suivent sur les semaines par après. Et il y avait encore une autre chose que je voulais dire. Ah oui, vous aviez demandé par rapport à ceci. Ça, c'est, pour cela, on peut utiliser des Shapley values, qui est une méthode de machine learning interprétable et qui indique... voilà, donc c'est ça qu'on utilise là. Très bien, ça répond parfaitement à ma question. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Christophe. C'était super intéressant ce que tu nous as fait. J'ai 3-4 petites questions. Alors, au début, tu parlais de, je crois que c'était dans la première partie, de combinaison de méthodes. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu entends par combinaison de méthodes ? Est-ce que c'est par exemple des mélanges de prédicteurs où tu vas donner des poids différents, un poids important à quelque chose qui prédit à un moment bien et puis peut-être un peu moins bien et un prédicteur ? C'est quoi ta... Parce qu'il y a beaucoup de définitions de la combinaison. C'est ça. Méthodes. Alors, celle que tu donnes, c'est une combinaison qu'on peut utiliser. Mais celle que j'avais vraiment en tête, c'était très proche de ce que... Enfin, exactement, en fait, ce que fait Florian. C'est le fait de se dire, on cherche à rendre plus puissant des méthodes machine learning en rajoutant de nouveaux prédicteurs. Et ces prédicteurs, en fait, ce sont des prédicteurs qui sont des estimateurs statistiques.
Donc, c'est comme ça qu'on... C'est ça la combinaison vraiment de statistiques et de machine learning. Par exemple, dans le domaine de la prédiction de tournoi, ben, on peut regarder qu'est-ce que les équipes ont fait sur les deux dernières années de match, et on peut y mettre un modèle statistique et ainsi estimer la force de jeu. Et cette force de jeu, ben, on peut le rentrer dans un modèle machine learning comme un prédicteur. D'accord, ouais. Parce que nous, par exemple, à EDF, quand on fait nos prévisions de consommation, on a plusieurs modèles. Et ces modèles-là, eh ben, ceux qui ont le bon grain, eh ben, à ce moment-là, on l'utilise à un moment donné. Oui. On éteint un autre. Enfin, voilà, en fait, une combinaison linéaire, en gros, avec des poids. OK. Alors après, tu parlais aussi à la fin, donc sur les blessures, d'événements rares. Oui. Donc, on peut utiliser, bien sûr, le machine learning. C'est très compliqué, les événements rares, enfin, le traitement des événements rares. Il y a des méthodes, alors je pense que tu as dû voir, mais des méthodes sur justement les événements extrêmes et rares, en fait, avec des lois de proba, genre Gumball, Pareto, etc. Est-ce que ça, tu l'utilises, ou est-ce que ce n'est pas un moyen aussi de... Enfin, du coup, d'utiliser un peu, on va reparler justement des mélanges de prédicteurs, d'utiliser un objet qui serait justement, ben, j'utilise cette loi-là, après j'utilise plutôt cette technique de machine learning, et combiner tout ça pour pouvoir se dire, voilà, là j'utilise le bon truc, la bonne loi, voilà. Est-ce qu'il y a des choses de réaliser là-dessus? Alors non, mais c'est exactement le but. Okay. Donc tu as bien vu, oui. C'est ce que j'ai en tête de faire à la fin de cette étude, quand on aura vraiment toutes ces données qui seront là. C'est exactement ça que j'espère pouvoir faire, c'est de tirer une partie statistique, que ce soit avec des lois probabilistes comme tu les as dites ou avec d'autres, et de rajouter ça au modèle machine learning et voir ce que ça fait. Okay. C'est exactement le but, oui. D'accord. Et puis alors après tu parles, alors ça c'est une chose hyper importante, la compréhension, l'explicativité, l'interprétabilité des résultats, enfin des modèles, parce qu'en effet, on a des fois des choses qui sont... Voilà, les méthodes de deep learning qui font des choses bien, mais des fois, en fait, on ne sait pas pourquoi ça ne fait pas bien des choses. Voilà, donc ça c'est un thème majeur qui est en train d'apparaître. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est... Et ça, en plus, à destination des coachs, des professionnels, eh bien, c'est la chose la plus importante, avoir un modèle performant, mais qu'on puisse comprendre. Ce que je disais tout à l'heure, hein, autrement, là, c'est la même chose. Hein, on peut très bien avoir un modèle performant. Si on n'arrive pas à l'expliquer, s'il ne peut pas être utilisé, ça n'a aucun intérêt. Et donc ça, je pense que c'est vraiment un point majeur. C'est pour ça que on est arrivé à développer des choses tellement sophistiquées qu'on ne sait même plus ce qu'il y a dedans. Et, voilà, et après, on est obligé de faire de la méthode inverse pour pouvoir comprendre ce qu'il y a dedans. En fait, bon, c'est un peu marché sur la tête. Et dernier point, alors quand même, c'est porte un peu humoristique. Donc, c'est quoi le résultat de la finale? Alors, quelles sont les probabilités? Et si tu as, comme tu parlais de 2018, mais là, est-ce que tu as réutilisé la même chose sur 2022? Et comment ça s'est passé, en fait? Bon, parce que tu nous as présenté, mais comment ça s'est passé? La France, est-ce qu'elle avait une chance? Voilà, si tu reprends le même trend de ce que tu nous as présenté. Oui, bien sûr. Alors, c'était très délicat, en fait, donc cette idée-là, parce qu'avec mes collègues, on s'est un peu débattu avant, est-ce qu'on va le faire ou pas? Parce qu'il y avait des... avec tous les problèmes éthiques qu'il y a autour. Alors ça, n'oublions pas, mais bon. Et moi aussi, je m'étais dit, est-ce que ça fait vraiment du sens d'utiliser... Parce que ce qu'on fait d'habitude, ça, je ne l'ai pas mentionné, mais on a pour la Coupe du Monde 2018, on a entraîné notre modèle sur les Coupes du Monde 2002, 6, 10 et 14. Et j'ai vraiment questionné le fait, est-ce qu'on peut utiliser les Coupes du Monde passées comme référence pour celle-ci, étant donné qu'elles se jouent à un moment tout à fait différent dans la saison. Donc, voilà, c'était quelque chose que j'ai questionné. On l'a quand même fait, et notre but principal, cette fois-ci, c'est de faire en fait une analyse post-hoc, pour pouvoir voir est-ce que vraiment il y a une différence ou pas. Donc cette fois-ci, par exemple, on n'a pas écrit d'article qu'on a mis sur Archive auparavant, parce qu'on s'est dit non, ce n'est pas notre volonté cette fois-ci. Mais bon, on a quand même fait l'exercice. Ce que le modèle avait donné pour cette fois-ci, c'est que l'équipe qui avait le plus de chances de l'emporter, c'était le Brésil, qui était suivi par l'Argentine. D'accord. Et la France qui vient après.
Donc, je pense que si je regarde vraiment pour le match France-Argentine, j'avais regardé ça, le modèle, c'est presque du 50-50. Mmh. Donc, malheureusement, c'est, je pense, du 52-48. Donc, mmh. Le modèle dit aussi, ben oui, c'est pas clair qui va l'emporter. Ouais. Donc, oui, voilà. Malheureusement, à ce niveau-là, je n'ai pas rien d'intéressant à dire parce que c'est un match qui est ultra équilibré. Mmh. OK. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Myriam Lamolle, enseignant-chercheur en informatique au laboratoire d'intelligence artificielle, justement, et sémantique des données. J'aurais deux questions plus sur votre dernier projet. Mmh. Le risque des blessures, on sait que notamment... il y a une partie saisonnalité et je voulais savoir si dans votre étude vous intégrez les séries temporelles. Alors c'est quelque chose qu'on va plus que vraiment faire dans une deuxième étape, de regarder s'il y a une saisonnalité. C'est pas ce qu'on fait par rapport au feedback dans le IREF. Ça, là on regarde juste à chaque moment. Bon, évidemment il y a une certaine saisonnalité qui apparaît étant donné que on donne beaucoup de poids à ce qui s'est passé plus récemment pour les athlètes. Mais outre cela, on n'a pas encore regardé vraiment de saisonnalité. Non. Et je suis, enfin, dans le questionnaire, c'est tous les facteurs que vous avez réellement pris en compte, parce qu'il me semblait que l'aspect nutritionnel aussi pouvait jouer sur les blessures. Oui, oui, non, ça aussi c'est dans le... D'accord. Ça aussi c'est dedans, oui. Sinon ici je ne voulais pas tout mettre, juste une petite overview. Mais oui, non, tout à fait. D'accord. La nutrition aussi, oui. Et sur le dashboard, si on peut dire, que vous donnez aux athlètes. Oui. Est-ce que vous n'avez pas peur du fait que l'athlète ayant l'information qu'il a un risque de 90% de blessures, du coup ça le bloque au niveau psychologique et que... Effectivement, la blessure arrive. Oui, en fait, on s'est exactement posé la question si ce n'était pas une sorte de self-fulfilling prophecy qui pourrait arriver. Et on s'est dit, on va essayer, on va voir, et on va en tirer les leçons, vu que c'est aussi une première fois, mais tout à fait, c'était dans nos discussions, et on espère que ce n'est pas le cas, parce que c'est comme vous dites, on a ça en tête, ouf, c'est un peu comme... le fait de se dire, oh, il ne va rien arriver, bon, quelque chose arrive. Donc, ce n'est pas impossible qu'il y ait cet aspect et que donc, il faudrait peut-être le jouer autrement. Il faudrait peut-être un groupe, justement, où on ne leur affiche pas les vrais pourcentages de blessures pour voir ce qui se passe. Oui, ça, c'est possible en disant haut risque ou faites attention. Peut-être ça, peut-être que ça, ce sera pour une future étude. On pourrait comparer, peut-être que ça aurait un impact, oui. Merci. Tout à fait, merci. Y a-t-il d'autres questions ? Non, ben je vous invite. Encore merci, Christophe. Et je vous invite à aller au self pour qu'on se restaure, qu'on mange.